Au centre de formation professionnelle maritime de Kaloum, la rentrée de classe est prévue pour le 2 novembre 2022, selon un responsable de cet établissement d'enseignement technique. À l'approche donc de cette date, les préparatifs au niveau administratif sont en avance pour la reprise des cours, sauf que l'école, elle, est en reconstruction présentement. Mais tout est mis en œuvre pour assurer le démarrage des cours par les encadreurs. Séverin Gomou, le conseiller à l'orientation du Centre de formation professionnelle maritime de Kaloum, a déclaré que tous les programmes sont élaborés à date pour une rentrée effective des classes au sein de son établissement. Les préparatifs font bon train depuis l'annonce du département. On est sur pied d'œuvre, malgré que l'école est en rénovation. Mais du côté administratif, les choses sont déjà à point nommé. Les programmes sont déjà élaborés, l'emploi de temps est élaboré et on attend le jour J pour commencer les cours. D'après le département, c'est le 2 novembre pour la deuxième et la troisième année, le 14 pour la première année. Actuellement, le centre de formation professionnelle maritime de Kaloum est en rénovation et ce, à l'approche de la réouverture des classes pour l'année 2022-2023. Les responsables de l'école disent avoir pris des dispositions pour trouver une stratégie qui doit les permettre de bien démarrer les cours le jour indiqué. 4 bâtiments sur les 5 existants au sein de l'établissement sont en rénovation. Les exécutants sont à pied d'œuvre pour les travaux. Si nous, de notre côté, si ça ne restait qu'à l'autorité de l'école, on allait s'y mettre, même la nuit, on allait travailler. Mais c'est des entreprises qui ont le travail. Donc nous, on suit les entreprises et on essaie aussi de mettre pression sur eux pour que d'ici le 2, qu'on ait des salles de classe ici pour recevoir nos étudiants. Bon, justement, on va faire une organisation interne. Vous voyez, on a un bâtiment qui est à derrière, qui est à côté. Et nous allons essayer de voir si nous pouvons, dans le cas essayant que les bâtiments ne finissaient pas, on va s'organiser. S'il faut faire des cours de rotation, il n'y a pas de problème. Au centre de formation professionnelle maritime de Kaloum, 3 filières y sont enseignées. Il s'agit de la construction navale, la mécanique marine et la navigation pêche. Pour beaucoup d'observateurs, les écoles techniques et la formation professionnelle sont d'une importance capitale pour le développement d'un pays. C'est pourquoi Séverin Gomou, conseiller à l'orientation du CFP maritime de Kaloum, adresse un message aux jeunes de Guinée pour les inviter à s'intéresser aux écoles techniques et la formation professionnelle. Oui, on a un message à lancer. C'est pour leur dire qu'en réalité, le développement de ces pays dépendra de l'enseignement technique. Et c'est informer aussi les jeunes d'ici mettre de venir apprendre un métier. Et ce n'est pas des étrangers qui viendront développer notre pays. Et s'ils veulent réellement le développement de ces pays, c'est vraiment de s'engager dans ce sens. Venir se former, avoir un métier pour qu'on puisse développer ces pays. Rendez-vous est donné le 2 novembre 2022 pour la rentrée de classe au Centre de formation professionnelle maritime de Kaloum.